Je vous épargne tout mon bordel. Tout de même, dans les dessins 2021, le dragon de chair noire. Voilà, il est là, le bébé, il est beau! Oh. Il est beau, mais plus jamais on refait quelque chose comme ça. Hein. Plus jamais. Plus... non. Et j'ai pas eu le temps de retravailler dessus. Je viendrai sûrement assombrir avec les ombres. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas le brun. Faut que j'en remette mes bons bruns, puis au lieu des foutre, genre, à l'autre bout, là-bas, là. Je veux... Ah, je veux un blanc pur. Ouais, je veux un blanc pur. Ouais, c'est ça, je devrais les foutre ici. Voilà. Je devrais les foutre là-dedans pour bien faire, là, mais je le fais pas, puis... Yeah. Je change pas grand-chose, je vais te dire, là. Tu peux les mettre en... pogner le milieu, c'est pas ça que je voulais. De toute façon, tout est déplaçable. Vive les layers! Putain. La personne qui a inventé ça, les layers. C'était un putain de génie! Ah oui. Oh, j'ai ça. Ah oui, je suis sur la peau, pas sur les os. Ah 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 ah. Ouais, il est énorme en fait. Ok, j'avais pas fait les blancs, c'est pour ça que je trouvais que c'était hyper sharp. Ah oui, j'ai même pas mis le zizik. Non, mais la fille. C'est dommage parce que j'avais vraiment des musiques dans la tête. Ah, ça fait tellement chier de pas pouvoir mettre la musique que je veux, esti. Il faut payer tout plein de droits, puis sacrément. C'est juste comme pour meubler en plus. Charger de compte, prendre le compte de vue. Ah ben tiens, prendre les musiques de Warframe.
Ah, j'aime bien la musique de Fortuna. Bordel, il faut le sourd, je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a. Je vais vous faire écouter celle-là parce que je l'adore en fait. Voilà, c'était Fortuna de Warframe. De Warframe. Je la trouve super trop géniale, en fait. Ça, c'est toutes les chansons originales du jeu. Il y en a plus que ça maintenant. Là, c'est une vieille. On va être bien. Salut! Comment ça va, petit poteau? Ça va super bien, moi. Je suis allée prendre une marche tantôt avec mon chien, puis là, ben, il est crevé, donc j'ai la paix. Pour vrai, il est rendu qu'il tire fort, là, mon chien. C'est incroyable comment que. Il a juste 3 mois, il est énorme. J'ai quasiment peur de le voir grandir.
Fait que ouais, j'ai vraiment hâte de finir ce projet-là pour passer à autre chose. Peut-être des projets beaucoup plus rapides. Avec je dirais pas qu'il y a autant de détails parce que celui-là, c'est, je me suis vraiment énervée sur les détails. Là, j'ai pété une ballonne aussi. Genre de truc que je ne referai plus. Peut-être, mais ça va prendre du temps que je refasse un autre comme ça. Je sais pas si tu l'avais vu au complet, mais check, je vais te le montrer. Ça, on était comme sur la cage thoracique en fait. Fait que c'est. Ouais, c'est un dragon en chair avec vraiment beaucoup trop de détails. T'sais, moi, je suis vraiment fière de cette partie-là. Elle est vraiment dégueulasse, je la trouve parfaite. Fait que ouais, c'est ça. Puis on voit pas ses ailes parce que. L'emphase est comme toute sur le visage en fait. Malgré que mon point de fuite il est genre là-bas. Puis je vais essayer d'accentuer pour que ça paraisse encore plus comme s'il y avait une profondeur encore plus intense. Je vais juste checker voir si la musique est pas trop forte. Voilà, comme ça elle devrait pas être trop forte. Des fois, j'ai tout le temps peur qu'elle soit trop forte. Mais bon. Surtout, n'hésite pas à poser des questions. J'ai même un Discord justement pour la commu. Fait que si jamais tu veux aller poster des trucs. C'est bienvenu pas mal à tout le monde. Ouais, puis le Discord il est open, fait que normalement tu devrais être même capable d'inviter des gens si tu veux inviter des gens. Voilà. J'ai pas fait quelque chose, pas un groupe privé, privilégié ou. Peut-être que plus tard, mais que la chaîne soit rentable, là, que là il y a rien qui rentre. Même si ça me stresse pas, là, personnellement je le vis bien. Moi c'était vraiment pour me désennuyer parce que. Avec mes douleurs chroniques, je peux pas faire plein de choses. Tu sais, c'est un peu con parce que tu sais, je vois comme le monde s'enligne là, de manière générale. Puis, tu sais, moi, je fais de la spondylodiscopathie, fait que ça, c'est à vie. Ça se guérit pas, il y a pas de la médecine n'est pas rendue à gonfler nos disques pour que. Parce que c'est ça qui est arrivé, là. Moi, mes disques sont super compressés. Ah, c'est Fortuna! Putain, moi je la réécoute. Je m'en fous si vous l'aimez pas, moi je l'adore. Mais, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je me dis, il y a de plus en plus de monde qui ont des problèmes chroniques, qui sont obligés de, tu sais, d'avoir des siestes, des heures de pause, rester chez eux. Ils peuvent pas travailler, tandis que là, tu regardes comment le monde s'enligne. Tu sais, tout le monde a fait « Oui, on peut travailler à partir de chez nous. » Puis là, le télétravail, ça a comme... En tout cas, dans mon coin, là, le télétravail, c'est comme... Les gens, au début, là, tu dis « Ok, ouais, j'ai des problèmes de dos, je pourrais-tu faire du télétravail? Tu sais, j'ai le logiciel à la maison et tout. »« Ah non, il faudrait que tu sois là, présent. » Mais tu sais, tu fais comme « Ok, j'ai pas de contact client, fait que... au pire, je m'achète un sel et puis il appelle, c'est tout. » C'est facile de faire transférer un appel sur ton cell, même si t'es pas là. En tout cas, bref, c'est comme. Je sais pas pourquoi.
Mais là, peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir débaucher des emplois, puis... Ça, je l'espère. Me donne encore des frissons cette chanson-là, c'est fou. Quand je l'ai entendue la première fois dans le jeu, j'étais comme my god, ils se sont défoncés. Ah putain, j'ai des frissons, waouh! Je sais pas, je suis très fan de chorale, des chœurs, là, comme on appelle. Je trouve ça tellement trippant à entendre. C'est fucking harmonieux. C'est beau. Ok, je vais faire des grandes lignes. On va les estomper après. Donc, ma pointe, bien blanche d'un côté. Il m'a donné une bonne couche en plus. Il y en a un autre là. Mais c'est la même chanson en fait. Je suis Ah non, c'est pas la même chose. C'est juste le main theme en fait. J'aime bien, ils ont donné un aspect dans le jeu qui est comme très très cathédral. Puis il y a un de mes artistes préférés qui a travaillé sur le projet qui s'appelle Kent Thompson. J'ai peur de mal dire son nom. Mais il faisait beaucoup de dessins robotiques, chair et tout ça. Puis ça se retrouve en fait dans la plupart de ses œuvres. C'est vraiment très organique en fait. Puis j'étais vraiment surpris de voir dans les arts que tu débloques, dans les concepteurs que tu débloques, il y avait genre Ken Thompson. J'étais comme waouh. Ah, je vais changer ça, je le trouve tellement moche. Je veux juste, voilà, je veux juste un ombrage, je veux pas vraiment un détail. Juste pour faire une forme. Et on se remet en 4, parce que j'étais en 4.
fait, j'en ai un livre de Cam Thompson qui est justement sur la robotique et tout. C'est un super bon livre, en fait, quand j'ai commencé à dessiner. Attends, c'est quoi la collection? Attends, je vais aller la chercher parce que c'est vraiment une très bonne collection pour ceux qui font du dessin à la main et qui veulent apprendre genre toutes sortes de techniques. Il y a vraiment toutes sortes de choses dedans, puis faites par des vraiment très bons artistes. Je reviens. Ouais, ça se peut que vous ayez entendu les ambulances. Ils sont juste à côté de chez nous, en fait. Fait que. C'est l'édition Hérold. Voilà. Je vais essayer de le montrer. Voilà. Les éditions Hérold. C'est une super, super belle collection. C'est justement, c'est fait par Kate Thompson. Celui-là, en tout cas. Oups. Il y en a deux ou trois qui sont faites par Kate Thompson. Puis ils sont vraiment sublimes là. Regarde, juste celle-là aussi est super cool. Je sais pas si on peut bien la voir. Voilà. Puis il y a tout plein de trucs explicatifs de genre justement comment faire tes teintes, comment commencer, si tu fais du numérique ou si tu fais pas du numérique comme celui-là. Genre, il explique beaucoup les ombres et les lumières. Fait qu'il te montre comment faire ta forme et tout, comment la transformer, comment la modeler, puis que. En tout cas, c'est un super, super belle collection. Puis même si tu fais pas des robots, ça peut être utile pour faire des matières de manière générale. Fait que c'est une super belle collection. Il coûtait pas cher à l'époque. Je pense que j'ai encore le prix dessus. C'était 20 euros. En fait, c'est une édition qui vient de France. D'Europe. De France. Ça vient d'Europe. Point barre. Puis elle est en français ou en anglais pour ceux qui la veulent en anglais. Elle existe dans les deux langues. Elle existe dans plusieurs langues en fait, fait que c'est vraiment comme si vous voulez avoir commencé à vous faire une bibliothèque, comment on dit ça, de référence. C'est une super belle collection à avoir dans cette bibliothèque de référence. Moi j'ai ça, puis des livres d'animation 2D, j'ai en tout cas juste plein de trucs là. Ma bibliothèque est pleine. C'est tous des livres que j'ai lus à 100%, là. Fait que tu sais, je dirais pas que j'invente ma technique, mais j'ai personnifié comme j'ai pris plusieurs trucs des éditions Hérold, je les ai personnifiés pour moi, comment moi je m'en servais et tout. Puis ça a créé mon propre style avec le temps. Fait que je vous conseille, ça aide à se trouver en tant qu'artiste, je trouve. Puis de partir un peu dans le délire. J'aimerais ça m'amener en sortir un livre comme ça avec tout plein de petits trucs que j'ai appris. Je veux pas les copier, là. C'est vraiment pas le but. Le but, c'est pas de les copier. Le but, c'est de montrer un peu ce que moi j'aurais développé en les suivant. Je vais prendre le blanc, ouais. Ouh, elle est bien dégueulasse, celle-là. Corriger, non? Voilà, on a réussi à le corriger quand même bien.
C'est sûr que maintenant, si la chaîne vire plus art, parce que j'ai aucune idée de comment que. Pour l'instant, tu sais, je fais un peu de tout, je fais un peu de tout ce qui m'intéresse de manière générale, là. Mais s'il y avait beaucoup plus art que ça, c'est sûr que j'aimerais ça comme partir vraiment des gros projets, des BD peut-être, parce que j'en avais une. Et je l'ai toujours. À 250 quelques pages. Page recto verso, là. J'avais une belle BD qui était quand même bien avancée. Faudrait juste. L'histoire est toute écrite, fait qu'il faudrait juste que je la dessine en fait. Hein. Parce que ça me dérangerait pas de faire les planches. Mais pour la colorisation, là, j'aimerais ça laisser ça à quelqu'un d'autre. Ou sinon, je la fais toute en noir et blanc, puis on n'en parle plus. Hein. Mais c'est ça, plein d'idées dans la tête à UU pour que la chaîne continue qu'elle continue de bien fonctionner. Bordel, quand j'ai fait ce boulot-là. Même que je l'enlève. Useless. Arranger ce bout-là. Rarranger. Je parle tellement bizarre. C'est drôle, ça me fait penser à des musiques de Tomb Raider. C'est dommage que j'aie pas plus de résistance que ça à cause de mes douleurs, parce que je n'aurais fait une nuit blanche, genre on fait tous les Tomb Raider, on les finit, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Ça aurait pu être cool. Mais on verra. Peut-être avec le temps. J'ai remarqué que j'ai gagné beaucoup de résistance depuis que j'ai commencé mes streams. Sûrement parce que, bon, je m'assis, je me lève, j'ai beaucoup plus de trucs qu'avant. Parce que quand j'ai eu mes douleurs, je te dirais que c'était un peu. Je voulais pas trop bouger, ça faisait extrêmement mal, mais tu sais. J'ai travaillé les bons muscles. Fait que la douleur est devenue pas mal plus supportable parce que je manquais beaucoup de soutien dans mon bassin aussi.
Fait que c'était pas juste dans mon dos, ça s'est ramassé jusque dans mon bassin. Juste pour dire, là, mes muscles internes de mon bassin étaient rendus que ça portait plus, ça soutenait plus rien. Fait que dès que je faisais un mouvement, une torsion, je pouvais faire un tour de rein parce qu'il y avait plus rien qui se tenait dans cette région-là. Donc voilà. Mais ça faisait très 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 longtemps que j'avais mal au dos, puis du jour au lendemain, ça a dégénéré. Mais ça, c'est des gènes dans ma génétique, fait que je peux pas vraiment y changer quoi que ce soit. Là. Bon, avec ça, celle-là est bien. Ouais, vraiment, là, les petites dots, là. J'adore l'effet que ça fait. On va essayer d'arranger celle-là ici. Je la trouve fade. Ça pourrait être intéressant, juste. Tout petit, tout petit. Faire un truc là, c'est dans la bordure que j'aime pas, le fond là. Je vais venir le corriger à la main là. Il est comme plein de petites bosses, j'aime pas trop ça. Celle-là avait été corrigée, il me resterait elle. Il y a un truc bizarre qui est apparu. What the fuck? Ok, celle-là, pour me l'expliquer, c'est juste weird. Je sais pas pourquoi j'arrivais même plus à... Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quelque chose qui est devant. C'est pas ça. C'est pas les noirs, c'est pas ça. Non, ça c'est juste dans son œil, ça n'a rien à voir. Ah non, c'est parce qu'il y a du noir derrière là, c'est pour ça. Ok.
que je vais faire ma forme. Je vais venir la teinter après. Pourquoi j'ai foutu du noir à cet endroit-là? Hey, c'est dur de voir. Je vais aller dans os. Ah, mais j'ai un noir! Sacrément, je pensais que j'avais. Je pensais que j'avais pris un blanc, c'est pour ça. Voilà, on va tout remettre. Hey, salut Waha! Ça avance, Pano Gatsu, on va finir, si tout va bien là, je devrais finir la cage thoracique là, là. Ce qui me reste juste qu'est-ce que tu vois en ce moment à finir, je dis pas de la merde. Ouais, il me reste juste à finir ça, puis on a la cage thoracique, en tout cas les os de la cage thoracique de fait. Pour ça, va falloir se lancer dans le dessinage de entre les côtes, en fait. Mais ouais, sinon, la tête a été finie. Ouais, que je te la montre, là, par rapport à l'autre fois. Putain, le dessin, il est énorme, ça me prend du temps à scroller. Fait que ouais, la tête est vraiment finie, pis t'as-tu vu, je suis venue rajouter, en fait, comme des veinures dans la membrane, pis je sais pas si tu vois bien, là. Peut-être dans cette petite région-là, là. On dirait que ça fusionne vraiment bien ensemble. J'ai fait la même chose aussi en bas. En bas est tout fait. Toute cette région-là. Je trouve ça vraiment plus, plus organique en fait. Ça fait moins séparé. C'est drôle, il a l'air d'un cadavre, mais il fait très vivant. Oui, hein, c'est pas mal mieux comme ça, hein. Voilà. Ouais, je l'ai rougi en fait. J'étais allée chercher le rouge rosé qu'on a là, pour faire la lumière dans l'œil, puis j'étais allée chercher les foncés que j'avais sur le bord de la babine, puis j'ai foutu ça dans l'œil. J'ai vraiment comme changé plein de trucs dans le FX. Hein. Ouais, avec le FX, c'est là que je suis venue changer des choses.
j'ai fait un gradient pour faire comme un espèce d'effet de lumière de l'intérieur vers l'extérieur. Fait que oui, j'ai pas mal travaillé dessus. Toujours aussi beau ce petit bout là de chair. C'est tu sais, il est très énorme le dessin là, mais d'habitude je dessine en plus petit que ça. Parfois, je trouve que j'ai quelques difficultés avec. Oh, attends, il y a un bout ici. Là. Ben, il y avait un trou dans mon effaceur. Là aussi, il y en avait un. On va rechercher notre blanc. J'en ai aucune idée dans combien de temps je finis pour vrai. Une vraiment bonne question. Avant la fin de l'année, j'espère. Non, mais sincèrement, je pense que ça devrait plus trop me prendre de temps. Une fois que tous les petits dessins vont être faits, tu sais, en gros, il est presque fini quand on en regarde ça, là. C'est juste que. Les dessins sont un peu. Ben, les effets sont un petit peu longs à travailler. Mais le prochain que je fais, il sera pas aussi détaillé. Ben, il va être détaillé, mais ça va être d'une autre manière. Ça marchera pas de la même façon. Puis, pas touche à l'étendeur. Fait, il va falloir que je trouve une nouvelle tactique. J'ai des brushes que je suis allée me télécharger, là. Pour avoir des brushes en plus. Puis, il y en a une que, admettons, quand que je fais un dessin avec, ben que je mets de la couleur, elle va prendre aussi de la couleur qui est en à côté, puis plus tu vas comme mélanger dans la zone, plus ça va faire des mix. Fait que c'est pas l'étendeur, mais... Voilà. Ouais, qui dit, oublie pas de mettre la teinture permafrost, c'est trop belle. Ah, putain, teinture permafrost. C'est la teinture pour rendre les gens aveugles. Elle a trop de réflexion, comme. Je sais pas pourquoi ils ont fait cette teinture-là, permafrost. Ça me chicote. J'aime bien faire des espèces de torsades dans son ossature, là. Ou donner en tout cas l'illusion qu'il y a une torsade. Je fais des belles lignes, là, mais on va revenir avec les ombres après ça. Ça va vraiment être du travail de finition, puis ça je vais vous le montrer parce que ça se fait très très vite le travail de finition. J'ai l'impression de me ramasser dans Diablo. Pourtant, c'est pas la musique de Diablo, ça n'a rien à voir.
Et voilà. On a une belle courbe là, qui s'est faite. Ah, il reste ça. Puis des petits points, des petits points. Ben, c'est normal qu'il y ait différents. En fait, c'est ça l'aspect que je voulais donner aussi. C'est que je voulais qu'il donne l'impression que, tu sais, il est mutant un peu, là, qu'il est vraiment mal formé, qu'il est dégueulasse. Tu sais, comme, justement, comme je disais, un dragon nécromantique, là, tu sais, qui est comme fait à partir de bouts de on sait pas quoi, puis qu'on dirait que tout veut foutre le camp, mais ça tient ensemble par on sait pas quel trou, quelle magie, là. Fait quoi? Ouais. Non, j'aime bien l'aspect qu'on dirait que tout, on dirait tout dégouline. Tu sais que ça se tient, c'est genre comme que les muscles qui tirent, que tu sais que la peau tire, puis tu vois la chair en dessous. Je sais pas, j'ai adoré cet aspect. C'est quelque chose que je voulais essayer. Mais j'en ai beaucoup trop mis. Mais vraiment beaucoup trop. C'est incroyablement trop. C'est trop ça, madame. On se calme. Prochaine fois, retenez-moi. Dites non, faut pas faire comme l'autre fois. C'est pas une bonne idée. Ouais, c'est ça, c'est mal formé. Donc voilà, je dirais que ça c'est fait. L'ossature est faite. Ça va falloir rester à rajouter les ombrages avec la layer que j'avais déjà prévue pour ça. Puis il va falloir que je prenne le brun que je me sers depuis tantôt, là. C'est avec ça que je vais créer mes ombrages finales. Ah, je vois encore, je fasse plein de trucs, bordel. Tourner dans la peau. Ah, puis là, je les avais fermés, là. On va remettre. Changer le blanc pour le rose. Puis, ouais. Ah, maman, pourquoi j'ai fait ça? Fouettez-moi, quelqu'un, fouettez-moi. Oui, le fond, je vais le modifier. Mais je vais faire en sorte que le point de fuite. Je peux l'expliquer là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un point de fuite. Le point de fuite, en fait, là. Je vais le dessiner comme ça. Ça, vous allez voir. Le point de fuite, en fait, il est ici. C'est de là que part la lumière. C'est de là. Puis, tu sais, justement, là, il y a un gros travail qu'on n'a pas encore fait. Puis, c'est justement de placer la lumière là. Tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais mettre. Je vais accentuer les régions où est-ce que ça monte, ça descend et tout. Puis là, tu sais, il faut éclaircir et plus. Sans aller dans le top du clair, puis le top du foncé. C'est pour ça que j'ai. À part les zones, là, je me suis pas servi de blanc. Nulle part. What the fuck? Puis, dans le fond, ce que je dois faire, c'est que, tu sais, en fait, le point de fuite, c'est comme ça que ça marche. Je sais pas si tu comprends là, mais tout vient, tu sais, on a vraiment l'impression que tout vient vraiment de là, là. Fait que le point de fuite, il est vraiment ici. Fait que oui, je vais accentuer. Fait que tout ce que tu vois que j'ai fait ici là,
Je vais accentuer, je vais essayer d'aller trouver d'autres couleurs, peut-être dans le rosé, le orangé, peut-être faire un rappel avec le dragon dans le fond. Puis, je vais faire en sorte que le point de lumière rapetisse un petit peu pour que vraiment que ça change un peu. Puis, je vais rajouter, peut-être que je vais éclaircir un peu plus la zone totale noire pour avoir un bleu un peu plus comme ici, en dégradé. Puis je vais rajouter plus de fog noir par après. Ça va me permettre de plus accentuer encore vers ce point-là. Parce qu'en ce moment, en fait, on a ce point de fuite-là. Puis l'accentuation, tu sais, genre, t'as l'impression vraiment qu'il y a une profondeur dans le dessin. Mais ça, c'est vraiment comme le point central, c'est là où est-ce que ton œil est attiré le plus. Normalement. Ben, pourquoi je veux changer? Je trouve que ça paraît pas encore assez. Il va falloir l'accentuer pour que les lumières paraissent plus encore, puis que les noirs, tu sais, les ombres puis les lumières paraissent plus. Parce que là, c'est comme le travail, il est fait, mais il est fait à moitié. Tu vas voir, ça va beaucoup évoluer, en fait. Ça va beaucoup évoluer. D'où pourquoi que c'est sûrement la dernière fois que. Ben, la dernière fois. Ce sera pas la dernière fois, là, dans toute ma vie, là. Mais ça va prendre du temps avant que je me remette à faire un autre dessin aussi gros que ça. Avec autant de détails. C'est surtout que ce qu'il faut que j'essaye de faire, c'est de pas noyer non plus le dessin dans les détails, parce que sinon c'est beaucoup trop. C'est énormément trop, en fait. Ouais, et comme un peu trop intense en effet, je vais. C'est vraiment ce que je veux changer. Parce que tu sais, genre, j'avais expliqué sans vraiment totalement l'expliquer l'autre fois, là, quand j'avais fait du Photoshop, c'est que en 3D, on nous apprend quand on fait la gestion des ombres et des lumières qu'il faut pas aller dans le blanc pur, puis qu'il faut pas non plus aller dans le noir pur. Fait que dans le fond, tu peux aller dans des couleurs de brun, dans des teintes de bleu marin. Pour les ombres. Puis dans les lumières, il faut aller comme dans des roses, des orangés, du bleu, pas du blanc. En fait, c'est pas compliqué. Est-ce que tu sais comment ça marche l'histoire avec les ampoules? Tu sais, t'as des ampoules avec des gradients différents, t'as des ampoules jaunes, t'as des ampoules bleues. Mais c'est exactement ça, en fait, comment tu gères les lumières. C'est exactement ça qu'il faut que tu ailles chercher quand tu fais de la 3D. Donc, c'est la même chose que tu peux appliquer en 2D parce que de toute façon, tu vois les ombres, tu l'as fait, ton ombre et ta lumière avec justement le même matériau. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu fasses ton dessin avec pas une gamme trop élevée en couleurs. Je veux dire, pas trop clair en couleurs, puis pas trop noir non plus. Pour être après ça, capable de jouer avec. Puis que si jamais t'as besoin d'aller vraiment dans du blanc en mongol, de juste arriver puis te dire, poup, je vais en mettre un petit peu, puis là, ça accentue. Mais tu sais, t'en mets vraiment pas gros, puis ça accentue vraiment beaucoup. Ah, mais ça. Ah oui, ça c'est le flip de l'autre côté. Fait que je peux y aller comme ça. Voilà, ça je pouvais y aller comme ça. Que je la travaille plus hein, en fait cet endroit-là. Putain, si je pouvais mettre les musiques que je voudrais, là, je mettrais du Daft Punk,
que je pourrais bien mettre d'autres. Godsmake. System Overdown. Hey, bon après-midi, ben bonne soirée à toi, ouais, en fait. Puis on se repogne demain. Demain, c'est mercredi. Je sais pas si on pourrait pas faire un truc avec la guilde, ça pourrait être cool. Ouais, mais tu sais, comme. Je sais pas si on a des primes de guilde ou des trucs comme ça. Ou des courses, même si on peut être vraiment mauvais ou qu'on va me voir fail à fond, mais. Ça serait un truc qui serait intéressant à tourner. Des activités de guild avec notre gang. Cool, ben on pourrait faire ça aussi. C'est bon. Si t'écris rien dans le Discord du groupe, j'écrirai un petit quelque chose, puis au pire, ben, tu rajouteras de quoi par-dessus. Si tu l'oublies. C'est bon, je ferai un petit mémo comme ça après le stream. Fait que je te souhaite une bonne soirée. Pose-toi bien, puis on se dit à demain. Ciao. Bon. Ça, ouais, c'est vrai que je préfère juste le contouring de tout ça. Je vais aller changer ma chatbox aussi, là. Parce que les messages, comme, ils restent tant aussi longtemps que je fais pas pour. Je vais aller m'en chercher une autre, en fait. Un autre style. Quelle heure? Il est 2h30. Je sais pas si à soir je fais un stream avec Guigui, ça va dépendre de lui.
Sinon, ben, restez dans vos... restez dans vos... Lol. Je veux dire, gardez vos notifications. Comme ça, au moins, vous serez sûr de pas manquer un stream. De toute façon, après, il les redire, là. Je sais que vous êtes pas mal plus fan des rediffs que des lives, mais en même temps, c'est compliqué, guys, ok, de juste faire arriver et dire oui, ok, je vais faire des streams de jour et de nuit. De nuit pour les Français, mais ça va être de soir pour moi, mais c'est pas assez compliqué quand ta commu est à moitié québécoise puis à moitié française. Ah oui, j'ai rajouté. Ça fait un longtemps qu'elle est là, mais pour ceux qui pourraient avoir des idées, même si ça n'a pas rapport avec les jeux, que ça a rapport avec du dessin, il y a la Blablaton Box, que c'est une suggestion box en fait. Si vous pouvez aller mettre vraiment toutes les suggestions, ou même juste écrire un commentaire, ça fait toujours plaisir. Puis si jamais vous avez une idée en tête, vous pouvez l'écrire là ou sur le Discord en faisant une notif à mon nom. Pour que je puisse vous suivre. Parce que ça peut être une idée que quelqu'un aurait que je pourrais faire. Ça me dérangerait pas. Pas obligé de venir toute de ma tête. Hein. Je veux dire, de la créativité, je sais que j'en ai, puis j'ai pas besoin de le prouver à personne. Là. Ça me fait plaisir aussi de faire des trucs pour quelqu'un d'autre. Voilà. Et j'ai même pas encore détaillé le truc, puis ça rend super bien de loin. Oh, mais que je rajoute les ombrages là-dedans, là. Oh, ça va être génial. La colonne. Putain. Comment je la fais? Comment je la fais? Comment je fais la colonne? Est-ce que je ferais pas... un truc comme ça? Non, c'est moche. La musique, elle est énervée! Ah! Qu'est-ce que je fais comme colonne? Pas très colonne, mais...
Ça pourrait le faire, ça pourrait le faire. Je suis en train de réfléchir à quelque chose. Je pense que je vais le faire en une seule pièce. Donc, toute la colonne qui est ici. Tout ça, là. Je le copie. En fait, non, je vais faire via layer cut. Ouais, là, c'est comme vous êtes tout dedans. Je vais le remettre en clipping. Et je vais le mettre avec la peau, en fait. Non! Je voulais faire juste merge down. Pour juste merger, en fait, c'est comme compresser avec celui d'en dessous. Je vais vraiment changer de musique, ça, je suis en train de m'énerver. Merci. Merci, c'est beaucoup plus tranquille. Merci. Donc, pourquoi je veux faire ça? C'est parce que je veux faire un peu comme qu'est-ce qu'on a fait ici. Vous voyez, dans ce coin-là? Bon, j'ai fait en sorte que l'os se mixe avec la chair et tout. Donc, je vais faire la même chose ici, en fait. Donc, il va y avoir une pointe d'os. Mais elle sera pas sur la layer d'os. Et ça, ça va foutre le camp. Il y a plein de choses qui vont changer. Donc. Tu es où, toi? Je vais avoir besoin de toi, toi. Voilà, mets-toi ici. Parce que là, je vais aller chercher ça qui est la couleur des os. Ouais. Voilà. Oups. Ouais, ok. Je vais juste aller rechercher la couleur de la peau, je pense. Je vais y aller avec la plus foncée. Ah ouais, comme ça, ça serait génial en fait. En petit bout là. Ma couleur des os. Je fais vraiment un test avec vous là, mais je pense que c'est comme ça qu'on va le faire.
je suis pas encore satisfaite. J'aimerais ça vraiment que ça se fusionne plus en fait. Peut-être juste en allongeant les bouts des os. Moi, je le fais vraiment grossier, dégueulasse, mais c'est vraiment juste pour me donner une idée de la forme que ça pourrait avoir. Vraiment, en allant chercher les morceaux d'œuf qui restent jusqu'au bout de la crêpe. Comme si ça y ferait une pleure, en fait, sur le dessus. Une pleure ouverte. Ouais, ça fait pire en fait. Ouais. Mais ça me donne vraiment une idée là. Ok, mettons que ça c'est pointu jusqu'au bout. Ouais. De là, jusque-là, on aurait un rebord vraiment, vraiment pointu. Là, il manque juste un effet à faire. Et si je mettais pas de rose en fait, si je mettais pas le rosé de la chair, juste garder la peau, puis faire des déformations dessus. Non, c'est pas la bonne. Ouais, je pense que ça serait vraiment mieux.
Ok, maintenant que je fais tant ce que je maintenant que je fais ce que je dis. C'est là que ça va devenir intéressant. Je fais un peu le même effet que je fais sur la crête. Les crêtes et tout, non? C'est vraiment pour venir accentuer le côté de l'os par rapport à la chair. Ok, l'heure de vérité. Ouais, j'aime l'effet des jeux, là. Ouais, je pense que ça va être beaucoup mieux si je fais ça que d'avoir à faire de la chair tout le long parce que ça va être ben trop. Fait que je vais enlever tout ce qui traîne. Donc. Ça. J'étais comment? À 18? Je pense que si. Donc ça va tout disparaître, on enlève tout. Dommage, j'aurais dû les faire sur des layers séparés, ça aurait pris moins de temps à supprimer, mais... Des fois j'aime bien travailler pas en layers séparés, mais tout sur la même. Surtout quand tu veux faire des effets de mix, t'as besoin que tes couleurs se mélangent un peu. Hein. Fait que ça va vraiment donner plus l'aspect comme s'il y avait une pellicule de peau par-dessus sa peau de base finalement. Là, il y a plein de petits trucs qui vont disparaître que vous en faites pas là. Ah oui, il faut que je fasse aussi de ça, de ce côté-ci. De ça. Faut que je refasse des lignes de la membrane. Ouais, mon chien, tu viens de te réveiller? T'as fait un gros dodo de 2 heures, mon doux! Bon, on a pris une bonne marche ensemble. C'est bien parce que, tu sais, je regarde la grandeur qu'il y a en ce moment, là. Il est très grand. Puis, sincèrement, il y a 3 mois, il y a la shape d'un border collie adulte. Je veux pas dire, mais. Il va être huge le bébé. Mais tu sais,
je marchais avec lui, il tire pas trop. T'sais, quand la laisse, ça reste tendue, mais c'est pas tiré, là. C'est vraiment juste comme une tension sur la laisse, mais c'est tout. Mais là, on est plus en mode, on marche, il sniffe partout, on le laisse sniffer partout, parce que c'est important, la découverte sensorielle. C'est avec son nez qu'il découvre le monde. Ah, regardez-moi ça, une belle peau, toute propre. Je reviendrai faire d'autres petits bouts d'os par après. Ah, j'aime vraiment l'effet que ça va donner. Et surtout avec les ombres, là, mais qu'on les rajoute, là. Oh, ça va être magnifique! Oh, j'ai hâte de les mettre, pour vrai. J'ai vraiment hâte d'être rendu à faire les ombres et lumières, parce que c'est mon étape préférée, je pense. Ça prend pas grand temps. C'est beaucoup d'estomper. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Malade. Pourquoi fais-je des trucs pareils? Ah oui, je suis venue détailler les mains aussi. Ça, c'est quelque chose que vous aviez pas vu. Fait que je suis venue faire... Je suis venue détailler, faire les petits détails dans les mains, des petits plis. Il y a des petits trucs qui vont rester, il y a d'autres que non. Petit truc comme ça. Faire le bout du doigt. Suis pas très bonne en plus dans les mains, là. J'essaie de faire de mon mieux, là. Oh, le petit doigt, il est bizarre en fait. Eh bien, voilà. Ah ouais, je veux juste... Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus. On a un bon bout de fête déjà, ça a super bien avancé aujourd'hui. Puis, je sais pas si je vais travailler dessus d'ici la prochaine fois, mais si ça se trouve, je vais avoir fait comme toute la côte. Toute la colonne. En tout cas, si j'y touche, c'est ça que je vais finir. Cette région-là. Pour bien faire. Donc, petite sauvegarde avant que ça meure. Ça serait nul. Surtout que là, ça commence à y prendre du temps à le charger. Il commence à être chargé. Donc, je fais un petit dézoom, voilà, pour le montrer en grand. De Bibi à maman. Puis ben, je vous dis à la prochaine, tout le monde, portez-vous bien.
Peut-être un stream ce soir, je ne sais pas. Dans tous les cas, ciao.